Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Assassin's Creed Unity. C'est notre troisième épisode, si je ne dis pas de bêtises. Donc on commence par une petite synchronisation en haut d'une tour que j'ai voulu faire, comme ça nous permettra de faire un déplacement rapide dans Paris plus tard. Donc au moins je l'ai fait, j'ai pris de l'avance et je me suis rapproché de la quête qui n'est pas très loin. Donc j'espère que vous allez bien, ou en tout cas ça va toujours bien. Je suis désolé pour ce dimanche de ne pas vous avoir sorti de vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de tourner et d'enregistrer le commentaire après. Donc bah voilà, pour le coup je suis désolé, mais ça n'empêche que voilà, j'ai repensé à faire l'épisode d'Assassin's Creed Unity et ce dimanche là vous aurez une vidéo sur Life is Strange, une vidéo plutôt courte mais que j'avais envie de vous faire. Donc voilà, je l'ai tourné et ça sera pour dimanche, ça c'est sûr et certain. Et j'ai pris de l'avance, j'ai même tourné l'épisode d'Assassin's Creed Unity qui sortira le mercredi d'après, qui sera un peu plus court dû à un bug vidéo. Il fera une vingtaine de minutes, mais voilà, il est tourné quand même. Et bon, ça fait pas 2 minutes, donc ça va, ça me rassure. Alors on va tout de suite commencer la mission. J'imagine qu'une simple adresse aurait été trop triviale. Alors, là, le but va être tout simplement via ce que nous a donné notre ami précédemment rencontré. On va devoir essayer de trouver l'entrée justement des assassins, puisque je vous rappelle qu'on n'est pas encore un assassin. On vient juste de connaître la guerre qui est entre les deux. Enfin, on sait même pas vraiment entre tout de suite la guerre, mais au moins on sait que les assassins et les templiers existent. Donc là, c'est assez simple. Bon, j'ai pris la vision d'aigle parce qu'au début j'étais plus trop sûr, mais j'ai réussi après. Donc le but va être tout simplement de grimper là-haut. Alors vous ne passez pas par là comme j'ai voulu faire. Je sais même pas pourquoi, me demandez pas. J'ai voulu tenter et c'est complètement débile. Ça ne sert à rien puisqu'il va falloir activer bien entendu ce qu'on a vu avec la vision d'aigle. Donc d'ailleurs il nous repasse une petite astuce pour nous dire qu'il faut l'activer. Et on va devoir monter tout là-haut. Enfin tout là-haut pas vraiment, on va juste grimper jusqu'au balcon. Et on va actionner ce mécanisme qui se trouve là avec la touche X, ou je sais plus d'ailleurs, même B je crois. Donc voilà, ça a pu faire descendre les lustres et on va devoir emprunter tous ces lustres. Donc c'est assez simple, hein. Il y a juste à aller tout droit quasiment et là à grimper sur la corde, on va aller vers la gauche. Puis on va recontinuer avec les lustres et les sortes de barres qui sont un peu partout pour aller jusqu'à l'autre côté. Une sorte de petit clocher, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, où qu'on voit le logo des assassins en bas qui s'ouvre et on va devoir faire un saut de la foi pour atterrir un peu plus bas, ou qu'on va peut-être rentrer enfin parmi les assassins. Je ne sais pas, on va bien voir. Enfin, si bien entendu je sais, puisque j'ai déjà tourné la vidéo. Mais bon, je voulais mettre un peu de suspense, qui ne marche pas du tout. Les chargements sont toujours aussi longs dans le jeu, et c'est un truc qui m'horripile. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi longs, mais... Enfin, je sais pas si sur PS4 et PC c'est aussi long aussi. Je pense que sur PC ça doit l'être moins. Sur PS4 ça doit être kiff-kiff. Mais c'est vraiment horrible ces chargements, surtout entre les séquences. Là pour le coup, on n'a même pas encore changé de séquence, que c'est vraiment long. T'as pris ton temps, merdeur. Où sommes-nous? Dans un sanctuaire. Un lieu où l'on peut s'entraîner et se préparer. Loin du regard de nos ennemis. Est-on vraiment obligé de retourner en prison? C'est pas une prison. Donc on retrouve notre nouvel ami qu'on a fait la connaissance durant la prison.
Et on va pouvoir aller rejoindre, on va suivre Belek pour aller rejoindre les assassins, enfin les maîtres assassins, et peut-être réussir à être enfin parmi eux. Enfin, enfin parmi eux, on le sait que depuis très peu de temps que Arnaud avait son père assassin. Nous on le savait, mais pas lui. Donc voilà, c'est pas fait tout de suite. Mais bon, va y avoir une petite séquence plutôt sympa. Ça va être pas mal de cinématiques encore, puisque bon, là, ça va être le côté, comment dire, cette fois, on va vraiment être un assassin, donc ça va être de longues cinématiques jusqu'à temps que tout soit mis en place. Mais au moins, on va vraiment se lancer à partir d'aujourd'hui. On va vraiment se lancer dans le scénario et dans le côté Assassin's Creed. Ainsi, le fils de Charles d'Orient revient à nous. Belek pensait que tu ne viendrais pas. Pourquoi ce revirement ? J'en ai assez de fuir mes échecs. Messieurs de la Serre, mon père, je tiens à me racheter. La mort du grand maître de la Serre pèse sur ta conscience. Pourquoi ? Est-ce toi qui tenais la lame ? Quelle importance ? J'en porte quand même la faute. La culpabilité l'étouffe. Tu réponds vraiment de lui ? Anna Kabalek, Inauka Diran, Ala Moajati El Moakama, Seakunujaidan. Très bien. De l'ombre, tu rejoins la lumière. De la lumière, tu regagnes les ombres. Es-tu prêt à suivre la voie de l'aigle ? Si c'est votre manière de demander si je veux de votre aide, oui. Alors bois. Et oh ! Donc là, on se retrouve dans une sorte de rêve, une sorte d'assulination, ça veut rien dire, mais c'est plutôt classe, d'hallucination due au calice qu'on a vu. D'ailleurs, en parlant du calice, je suis assez dégoûté parce que je sais qu'il y avait une édition, alors je sais plus si c'est une édition collector ou un truc comme ça, ou un, je dis pas de bêtises, un kit presse, qu'on avait le fameux calice qu'Arnaud boit, et j'aurais bien voulu l'avoir parce que je trouve déjà les calices dealés. C'est un peu débile ce que je dis, mais je trouve ça stylé. J'en ai un petit chez moi et je sais pas, je trouvais ça stylé et je suis un peu déçu que il ne soit pas dans la, qu'il n'était pas dans la grosse édition. Mais bon, après ça c'est rien, c'est qu'un petit détail. Mais voilà, j'aurais bien aimé quand même. Et je sais pas combien coûte le kit presse et s'il est trouvable, etc. Je pense que ça doit être assez compliqué, donc bon. Tant pis, mais j'aurais bien aimé l'avoir, ouais. Je pense que ça aurait été un truc plutôt cool, et je sais que certains l'ont, et ouais, ça m'embête un peu, mais bon, c'est comme ça, et c'est pas vraiment méchant, c'est qu'un petit truc comme ça. Alors là, il va y avoir pas mal de fails, je l'avoue, je vais être dégoûté, tout simplement parce que, pas que je voulais aller rapidement, en fait, c'est la façon d'utiliser, que j'ai eu du mal à me mettre en tête, enfin, à me remettre en tête, plutôt. Mais bon, c'est un coup à prendre et je n'avais pas le coup sur moi. Donc là, le début est plutôt facile, vous avez juste à aller tout droit et bon, c'est pas vraiment le plus compliqué. C'est à partir du moment que la plateforme s'affaisse, alors pas ici mais après,
qu'on va... Vous avez déjà vu l'action il y a quelques secondes et vous allez la revoir plusieurs fois. Je suis désolé, mais j'avais pas vraiment le choix. Donc voilà, à partir de ce moment-là, faut juste maintenir RT et B, mais j'arrivais pas à bien glisser. En fait, si vous voulez, quand vous maintenez RT et B, vous ne pouvez pas aller de gauche à droite. Enfin, vous pouvez, mais ça va être des actions plutôt longues. Et ça va pas être des actions qui auraient été plutôt... plutôt courte ou plutôt plus facile, donc vous êtes obligé d'être d'avoir déjà en tête votre tracé. C'est un truc con, tout ce que je dis, c'est tout débile, mais enfin voilà, c'est un truc hyper simple du jeu, c'est pas le truc le plus compliqué quoi, mais c'est un truc à prendre. Et j'ai pas pris le cours sur le ouais, ça marche pas, mais enfin bref. Donc bah je vais me rater plusieurs fois et ça m'embête vraiment parce que c'est pas vraiment un passage difficile du jeu. Et bah c'est bête de se rater là-dessus quoi, sur une simple glissade. Bah c'est vraiment dommage. En plus les actions sont beaucoup plus faciles. Moi personnellement, à partir de Unity, même si je trouve les histoires courtes etc, j'adore le gameplay, parce que le gameplay, pas parce qu'il est plus simple, ça je trouve ça débile, mais parce que les touches sont rendues, je dirais pas plus réelles, mais je sais que les actions ont été refaites. Quand je parle des actions, je parle des mouvements du personnage, quand il descend les murs, quand il les grimpe, quand il frappe, etc. Les façons de se déplacer, etc. Tout avait été revu et les mouvements ne sont pas les mêmes qu'un AC2 ou un AC1 ou un Brotherhood, etc. Et les mouvements, je les préfère carrément plus parce qu'ils paraissent, du moins pour mon propre avis, après chacun son avis, c'est normal. Même si les jeux je les porte pas forcément dans mon cœur, pour ce qui est de United Syndicate, je trouve par contre les déplacements qui ont été revus vachement mieux et plus proche de la réalité. Pour moi je trouve que c'est un côté plus réel. Bon, même si après grimper la tour Eiffel ou grimper Notre-Dame n'est pas vraiment la chose la plus réaliste au monde, quoique même c'est faisable, mais ce côté rendu réaliste par les mouvements, je trouve ça vraiment bien fait. Donc là je vais prendre mon temps. Je vais être très lent, je suis désolé, mais en fait, parce que voilà, je voulais bien me mettre sur les côtés et tout, et en fait j'avais du mal à mettre les touches, parce que si vous maintenez RT et B, vous allez glisser rapidement, mais si vous maintenez juste RT, vous allez glisser petit à petit, donc c'est vraiment plus simple. Donc là, bon, on revoit le père de Arnaud se faire tuer, et on va devoir faire plusieurs sections. Là on reprend à nouveau à côté d'un bâtiment et ça va être des scènes toujours d'escalade etc, toujours dans cette hallucination. Nous avons trois scènes entre guillemets où ça va se passer. Donc là le passage est plutôt simple, vous allez même voir que des fois je vais aller plus vite que le jeu entre guillemets, parce que bon les actions paraissent logiques. Bon là pour le coup je pouvais pas vraiment parce que je pouvais pas grimper tout seul comme ça. Attends, mais à certains endroits vous pouvez carrément presque aller plus vite que le jeu. Donc je sais plus à quel endroit, mais ouais voilà, à droite normalement je vais descendre, j'avais déjà commencé à sauter. Pareil pour là où qu'il faut monter, et je crois qu'il y a une autre plateforme qui va descendre et que je saute déjà entre deux. Ouais voilà, la plateforme devait bouger en fait, si vous le sentiez pas, et c'est largement faisable. Bon après par contre c'était un petit peu juste, j'ai peut-être j'ai peut-être visé trop vite, c'est pas grave. Donc la deuxième action est passée, cette fois on va passer à la troisième action qui va être simplement de rejoindre le meurtrier de notre père, donc Shaker Mac, même si on le voit pas vraiment, parce que je pense qu'en fait le jeu a été fait en sorte que si vous jouiez, ça se dit pas, enfin si vous aviez joué d'abord à Rogue, bon bah vous dites dans la tête que vous savez qui c'est, mais si vous avez joué d'abord à Unity, et ben au moins vous aviez la surprise, comme ça ça vous évite que si vous faisiez le Rogue, enfin peu importe l'ordre que vous alliez faire, Rogue ou Unity, au moins on vous dit pas qui est l'assassin du père d'Arnaud, et ça je trouve ça plutôt cool. Là c'est que des ombres, donc le but bien entendu est de le tuer en étant discret. Moi j'ai voulu lui foncer dessus parce que je croyais que c'est, je me rappelais plus de cette scène là, et je pensais que c'était un duel,
Mais non, en fait, vous allez devoir le tuer discrètement, donc c'est plutôt simple. Ne courez pas, vous n'avez pas besoin, je crois même que vous ne pouvez pas courir parmi les ombres. Vous avez juste à passer derrière, faire attention que l'assassin ne vous regarde pas, enfin ne regarde pas ses soldats, entre guillemets, à côté de vous, et vous avez juste à le tuer. Ces mots viennent de nos ancêtres. Ils forment le cœur de notre credo. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais en danger la confrérie. Que ces préceptes marquent à jamais ton esprit. Suis-les et tu en deviendras meilleur. Bafoue-les et tu en souffriras. Lève-toi, assassin. Arnaud Dorian est mort. Il a disparu de ce monde. Ses péchés et ses échecs sont réduits au néant. Ce soir, il ressuscite, tel un novice de la confrérie des assassins. Et donc voilà, mémoire terminée, et nous sommes désormais un assassin. Donc séquence 2 et mémoire 2 terminée. Après ce petit passage, comment dire, bizarre, via de la drogue ou je ne sais pas quoi. Non, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'on a bu et tout, mais ça nous a fait un sacré trip. Donc bien entendu, celui qu'on a tué, enfin l'ombre qu'on a tué là parmi les assassins, enfin parmi le meurtrier de notre père, ce n'était pas donc Shay Cormac, mais bien notre père qu'on a vu. Mourir tué par nos propres problèmes, enfin je crois, mais normalement je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il avait vraiment pas la tête de Shay, donc je crois que c'est le père d'Arnaud. J'ai plus vraiment la tête du père d'Arnaud en mémoire, donc je ne sais pas vraiment si c'était lui, mais je crois que c'est lui, puisque vu la réaction d'Arnaud de lui fermer les yeux, etc., je pense que c'était lui. Ce que ça aurait été son vrai meurtrier, donc Shay, même si lui ne connaît pas sous ce nom-là, je ne pense pas qu'il aurait fermé les yeux comme Ezio la première fois quand il avait tué l'assassin de ses parents, du moins ceux qui en étaient la cause. Il aurait pas fait ça, il les avait massacrés, donc voilà, je pense que c'était plutôt pour ça. Enfin, pas de ses parents, de son père et de ses frères, pardon. Tu es de retour. Maintenant que tu sais ce qu'est la vie d'un assassin, es-tu prêt à prendre part au combat avec nous ? Deacon, charge le fichier. C'est parti. Nous avons volé un fichier de Abstergo le mois dernier, et les infos qu'il contient sont incroyables. Mais on ne partage pas ce genre de choses avec n'importe qui. Si t'appuies sur play, tu rejoindras les assassins. Si tu veux lutter contre les Templiers, si tu veux nous aider à sauver la civilisation des griffes d'Abstergo, appuie sur play, installe-toi, et prépare-toi à apprendre la vérité. Bah, bien entendu qu'on va lancer ce projet Phoenix. Bienvenue chez les assassins initiés. Dans les années 50, une théorie fut développée selon laquelle l'ADN humain employait un modèle à triple hélice. Quelques années plus tard, les travaux de Crick et Watson démontèrent cette théorie en faveur du modèle à double hélice. Depuis, ce modèle est considéré comme le fondement de toute vie sur Terre. Mais pourquoi a-t-on envisagé la théorie de la triple hélice ? Pourquoi les radiographies de Rosalind Franklin semblent-elles la valider ? En réalité, les premiers échantillons utilisés contenaient de petites traces d'ADN de précurseurs, les gènes d'une race ancienne intégrée aux nôtres. Nous savons désormais que l'ADN à triple hélice constitue le fondement du génome des précurseurs. C'est la pierre de Rosette génétique de notre époque.
si l'on réussit à la faire parler, à séquencer entièrement le génome des précurseurs, le savoir que nous pourrons acquérir sera sans limite. À l'aide de la technologie Animus, l'histoire des précurseurs se dévoilera sous nos yeux. Le décryptage des langues anciennes permettra d'accéder aux technologies disparues. Imaginez ce que révélera le savoir qui a produit les fragments d'Éden. Ces découvertes seront 100 fois plus importantes que la fission de l'atome. L'an dernier, nous avons localisé un échantillon très riche d'ADN de précurseurs chez un donneur. Cet échantillon contient 4% d'ADN de précurseurs, une valeur inouïe. Il est la pierre angulaire de nos travaux. Notre objectif est de démêler la triple hélice, de séquencer le génome des précurseurs et de modifier à jamais le visage du monde. Bienvenue dans le projet Phoenix. Eh bien, bienvenue à vous également dans le projet Phoenix. Donc voilà, on a eu une nouvelle intro qui nous expliquait un peu ce qu'Elix fait. Voilà où nous en sommes. L'an dernier, Abstergo a mis la main sur le corps de ce qu'on appelle un sage, l'un des rares êtres humains à détenir un excédent d'ADN ancien. Depuis, il s'active pour en trouver d'autres, dans le présent et dans le passé. Plus Abstergo en détiendra, plus ils se rapprocheront de leur but ultime. On a fait obstacle à leur dernière tentative, mais ils continueront jusqu'à ce qu'ils aient séquencé le génome des précurseurs dans son intégralité. Alors, pourquoi Arnaud Dorian? Pourquoi suivre un assassin pendant la Révolution française? Il s'avère qu'à un moment de sa vie, Arnaud a été en contact avec un autre sage. Il faut que tu découvres où et quand ont eu lieu ces rencontres. Si Arnaud a assisté à la mort de ce sage, Abstergo risque de mettre la main sur son corps. Sauf si on est les premiers à le trouver. C'est là que tu entres en scène. Ce ne sera pas facile. Les mémoires génétiques doivent être traitées dans l'ordre pour que les données restent stables. Mais je suis sûre que tu seras à la hauteur. Et tu ne seras pas seul. D'autres initiés, des assassins tout comme toi, se démènent pour gagner cette bataille. Si tu as besoin de t'entraîner, de plus d'expérience, ils te viendront en aide. Très bien. Chargement de la séquence suivante. Donc on va pouvoir charger la séquence, et comme je disais, oui, c'était une petite intro par rapport à Alix, et puis bah, ça nous explique un peu ce qui s'est repassé dans les derniers épisodes, dans notamment les anciens sages, etc. Donc nous retournons à Paris aux côtés d'Arnaud, cette fois devenu assassin, avec quelques années derrière lui. Enfin, quelques années. Quelques déjà missions à son actif. Plus tu passeras de temps avec Arnaud, plus on aura de données pour augmenter ta synchronisation avec lui. Et pour activer ses compétences. Tiens, regarde ça. Pendant que tu étais occupé, j'ai demandé à Rebecca d'explorer la mémoire d'Arnaud. C'était un jeune homme plutôt actif. Tu vois ce symbole? C'est une mission coop. Je joue souvent en multi, toi aussi peut-être. Mais je me suis dit que tu voudrais sûrement varier les plaisirs. Voici des missions qu'Arnaud a menées avec ses frères assassins. Elles te donneront une idée du fonctionnement de notre confrérie. Marche jusqu'à cet endroit et tu recevras tous les détails. Je les ai tous indiqués sur ta carte. Ok, donc c'est reparti, cette fois Arnaud a sa tenue d'assassin, que je changerai peut-être à l'avenir, pour l'instant j'ai pas encore trouvé où, donc je la laisse comme ça. On va se diriger pour notre première mission en assassin, où qu'on va avoir les nouvelles capacités de tuer sa cible, donc avec pas mal d'occasions, mais ça on va avoir l'occasion de revenir dessus. Pour les missions coop, je ne les ferai pas durant le let's play, puisque c'est carrément des petites missions bien sympas, je suis d'accord, mais il doit y en avoir 5 à tout casser, je crois, ou... 5 ou 10, je sais plus vraiment. Des missions plutôt cool, plutôt sympas, mais qui n'ont pas vraiment de rapport avec l'histoire principale. Donc voilà, si à la limite si un ami se propose d'aller faire en duo avec moi, oui, mais je pense que la plupart de mes amis l'ont désinstallé. Donc je ne pense pas que je ne le referai. Puis de toute façon, ça ne change rien pour l'histoire. On joue chacun avec des personnages différents. Enfin, on a tous notre Arnaud entre guillemets. Mais voilà, c'est pas vraiment hyper gênant. Donc on va tout de suite lancer la mission avec notre cher ami. Maintenant. Quelle est la mission? Ta mission est d'aller poser ton cul où il faut, sans poser de questions, merdeux. Servir est mon devoir.
Alors, on va devoir te sauter dans le tas de foin. Donc là, normalement, vous devez les tuer discrètement. Je n'ai pas vraiment fait comme ça. C'est un truc que je ne vous conseille pas, mais bon. Je me suis un petit peu gouré, un petit peu flippé ma race. Donc je me suis emmêlé les pinceaux, tout simplement, ça arrive. Et donc j'ai foncé comme un gros bourrin dans le tas pour les tuer. Ce que vous ne devez penser par contre, c'est surtout qu'ils ne enclenchent pas la cloche. Je crois qu'ils l'ont fait, mais par chance, ça n'a pas vraiment compté. Donc c'est plutôt, c'était plutôt de justesse. C'est quelque chose de facile, hein. Si vous voulez les éliminer discrètement, je vous conseille de regarder leur déplacement. Et c'est plutôt facile et pas infaisable, comme on pourrait croire au début. Ils ne sont que 3, donc voilà, c'est largement faisable. C'est pas vraiment compliqué. Pensez surtout à saboter la cloche une fois fini. Et après, il ne restera plus qu'à attendre. Le seigneur Guillaume de Roussel a généreusement accepté notre prix de 4 dixièmes. Un acte empreint de désespoir, et pour le prêtre. Il va consentir. Ta confiance est contagieuse, Siver. Mes hommes vont préparer la carriole. Voilà les détails. Veille à ce que tout se passe bien. Entendu. Veille à ce que tout se passe bien, crétin. Et jamais... À l'aide ! Au meurtre ! Faut toujours que ces chiens les gardent du corps. Alors ? Une petite élimination. Pourquoi ne lui laisse pas le temps de crier ? Pourquoi on reste ici alors que Siver est toujours en vie ? Et cette fois, on va récupérer ce que la personne avait sur lui et pouvoir se tirer. Alors, bien entendu, je vais me rater. Pas tout de suite, mais après, parce que tout simplement... en fait, non, je sais même plus de tête, je sais même plus la raison pour laquelle je me suis raté. Mais bon, c'est quelque chose de pas vraiment compliqué. Vous jetez une bombe fumigène et après, c'était good. Et comme vous pouvez voir, le déplacement d'Arnaud, alors là ça se voit encore plus avec sa cape d'assassin, enfin avec sa tenue, pas vraiment une cape, ça se voit encore plus que les mouvements ont été retravaillés, et moi j'adore cette fluidité. Au début j'avais un peu peur quand j'ai vu les premières images de Unity à l'époque, je trouvais qu'il faisait maigrichon, que c'était une tige sur patte, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais je trouvais que c'était pas crédible. Et en fait, bah une fois le jeu en main, et bah ça paraît plus crédible, parce que par rapport à Ezio qui se trimballait avec tous ses vêtements, ses parures, voilà, Ezio était vraiment bien équipé. Encore dans AC2 ça peut passer, mais dans Brotherhood il avait vraiment, je trouve, une tenue imposante et qui permettait pas de courir, etc., comme le ferait un freerunner, ou voilà, je trouvais ça un peu, enfin sur le coup je trouvais ça bien, mais après coup je me dis que c'est moins réaliste. Et là, le fait qu'il fasse une tenue plus légère, plus souple, plus fluide, etc., ça veut rien dire, mais voilà, je trouve ça plus logique, en tout cas pour le côté réaliste de la chose. Mais voilà, après c'est vrai que ça m'a un petit peu choqué au tout début de voir la tenue, enfin même Arnaud, parce que je trouvais que ça faisait maigrichon par rapport aux autres assassins qu'on avait eu le droit de jouer avant. Mais ça passe, et moi j'aime bien la fluidité, surtout des mouvements, etc. J'ai vraiment, enfin, quand il disait que par rapport au gameplay, que si on voulait aller à un tel endroit, bah, nous allions le faire tout naturellement, et je trouvais ça vraiment bien, pour ce qui est des touches en tout cas. Enfin, pas pour ce qui est des touches, mais pour ce qui est de la fluidité des mouvements et de la réalité, du réalisme des mouvements, voilà. C'est un petit détail, mais il y a pas vraiment beaucoup de points positifs dans ce jeu-là, et je trouve que celui-ci en est un. Mais après, c'est vrai que le jeu, le reste, bon, bah, le gameplay est simple et tout. Donc là, oui, vous inquiétez pas pour la manette, c'est juste que j'avais un problème de manette, mais qui a été réglé après, normalement. Et on va remonter à nouveau, et comme vous avez pu voir tout à l'heure, je me suis fait massacrer. Mais cette fois, on va pas avoir la même chose. On va tout simplement passer par là. Bon, ça, vous avez l'habitude de tout à l'heure. Je vais descendre cette fois un peu plus rapidement. J'aurais peut-être pas dû passer par là, j'aurais dû sauter directement, mais je vais sauter par ici. En fait, le but était surtout de jeter une bombe fumée entre les deux pendant une course. Chose que je n'avais pas faite la première fois, mais que cette fois-ci je vais faire. En fait, c'est tout simplement pour nous apprendre à lancer une bombe fumigène comme une grenade. Et après, bon, bah, il n'y a plus qu'à les éliminer. Et notre cher mentor s'occupe du deuxième, pendant que nous on s'occupe du premier. Là, vous n'êtes pas obligé de tuer ceux qui vont être là. Moi, je les ai pas tués. Enfin, j'ai voulu les tuer la première fois, mais vous n'êtes pas forcément obligé. Le mieux, c'est de prendre une petite bombe fumée, et au moins vous n'êtes pas surpris par le nombre de personnes, parce que c'est vrai que sur le coup, il y a pas mal de monde, et bah, ça peut vous surprendre parce que Belek n'aide pas forcément.
Et donc bon, faut faire attention, mais après ça se fait simplement, voilà, Belekta a aidé pour tuer les deux qui sont derrière lui. Et au moins moi j'ai pu m'occuper des deux qui étaient devant moi. Donc après il n'y a plus qu'à suivre notre cher ami Belek pour fuir le secteur. Il y en a notamment un peu partout pour des gardes, et vous faites en fonction de vos envies. Si vous sentez chaud à les tuer, vous pouvez les tuer, sinon vous n'êtes pas obligé. Moi là j'ai tué celui-ci parce qu'il m'avait commencé à me repérer, donc j'ai préféré ne pas prendre de risque. Pour ces deux là je les ai laissés parce qu'ils nous ont pas, ils étaient en orange mais ils n'allaient pas forcément nous suivre vu la rapidité à laquelle on avançait, donc j'ai préféré les laisser en vie. Et là nous allons arriver à une nouvelle action. Qui veulent se battre avec tout le monde. Tâche de ne pas attirer leur attention. Et si on leur donnait une leçon? Arrête-les. Évite-les, peu importe. Les fanatiques, ça court les rues. Alors tu sauveras pas tout le monde, merdeux. Tu sais toujours trouver les mots justes. Là, vous faites au choix. Oui, il y a un truc qui est tombé. Là, vous faites au choix. Soit vous les tuez, soit vous ne les tuez pas. La première fois, enfin, moi, quand j'ai fait ma partie, je les ai tués. Là, pour le coup, je ne les ai pas tués, puisque c'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire. Et bon, ils gênent, mais pour le coup, là, ils gênaient pas vraiment. Donc, je vais plutôt continuer mon chemin avec Belek pour remonter là-haut et terminer la mission. Parce que c'était quelque chose que je trouvais pas forcément obligatoire, et puis bon, on avait déjà perdu assez de temps à mourir, donc j'ai préféré sauver le coup et me barrer pour retourner au café théâtre, enfin surtout à l'endroit où que les assassins sont réunis. Donc voilà, après vous faites juste une course entre guillemets avec Belek qui va être plutôt longue, c'est une course sur les toits pour arriver jusqu'à la fin de la mission. La mission est plutôt courte, hein, vous avez juste à tuer les personnes du début et après surtout de la course libre. Donc c'est pas vraiment une mission hyper fun, mais ça peut quand même commencer à vous habituer à parcourir les rues et les toits de Paris. Puisque bon, jusqu'à présent, nous ne les avions pas vraiment encore empruntés. Sauf si vous faites si vous allez rechercher déjà des choses avant même de commencer l'histoire, bon bah vous avez le temps de vous mettre avec le gameplay. Moi pour le coup, j'ai préféré, enfin voilà, je trouvais que cette séquence là était la bienvenue parce que ça me permet de remettre dans le bain pour ce qui est des touches, puisque les touches ne sont pas forcément les mêmes et le gameplay n'est pas forcément les mêmes. Les personnages ne réagissent pas pareil que dans les autres opus. Donc moi pour le coup, oui, j'ai bien aimé. C'est pas vraiment utile, j'ai bien aimé pour que je puisse me remettre dans le bain et remettre les touches en tête, pouvoir me redéplacer. Donc voilà, c'est surtout une séquence longue et pas vraiment utile, si ce n'est le début du truc. Après voilà. Par contre, pour l'épisode prochain qui sera un peu plus court, nous ferons une vraie mission. Et là, oui, ça apportera quelque chose de vraiment utile. Donc ça, je vous laisserai voir. Ça sera vraiment une mission. On devra organiser de A à Z, donc ça peut être assez sympa à voir, même si j'ai pas trop fait le fou, ça va, pour une fois j'ai pas trop foutu la merde, mais ça reste quand même sympa à voir, donc je vous montrerai ça de toute façon dans le prochain épisode, malgré sa dureté qui sera vraiment pas très longue. Bon, 20 minutes c'est toujours ça, mais voilà, je crois que ça fait à peu près 20 minutes, mais après j'ai eu un souci vidéo, donc j'ai préféré couper avant de lancer une mission plutôt que de lancer une mission et que ça continue à bugger, etc. Donc j'ai préféré couper et je reprendrai dans 2 semaines une vidéo plus longue peut-être. Ça dépend si la capture est d'accord, mais ça sera peut-être plus long. Et pour ce qui est de Mirror's Edge, pour ce dimanche-là, ça sera une vidéo d'à peu près une quinzaine de minutes, si ça peut vous intéresser. Donc voilà, ça sera pas vraiment du gameplay de fou, mais je vais surtout vous parler du jeu que j'adore. Et j'essaierai de vous en parler. Donc là on a la découverte pour les boutiques, donc ça on y reviendra dans le prochain épisode puisque je vais commencer à faire des achats par rapport aux capacités, etc. Mais ça j'essaierai de vous en parler. Mais pour le coup là on va laisser ça de côté, on va surtout terminer la mission qui déjà était assez longue, je trouve. Je suis désolé si vous entendez du bruit peut-être dehors. Non, ça devrait pas trop s'entendre, j'espère. Les hommes de la ferme générale peuvent dormir en paix. Harpinon est mort. Il me semblait un peu limité pour extorquer des nobles emprisonnés. Qu'est-ce que les Templiers préparent? Si cette maudite trêve ne nous liait pas les mains depuis un an, nous le saurions. Il n'a pas tort, Honoré. Cette trêve avait été conclue avec le grand maître de la Serre. Et cela fait 2 ans qu'il est mort. Quel que soit leur nouveau chef, je suis certaine qu'ils ne se tournent pas les pouces. Nous en aurions peut-être appris davantage en capturant Siver. Siver était là-bas? Je sais que la paix est une chose qui vous tient à cœur.
mais il serait sans doute utile de faire payer son crime au meurtrier de Monsieur de la Serre, n'est-ce pas? Oui, en effet. Tant que tu n'essaies pas de faire passer ta vengeance personnelle pour une bonne stratégie. S'il veut tuer des Templiers, laissons-le tuer des Templiers. Je lui ai appris tout ce que je sais. Il est prêt. Fort bien. Assassin. Tu vas te rendre à Notre-Dame de Paris. Et tu y trouveras l'agent des Templiers, Charles Gabriel Sivert. Tu apprendras ses secrets, et une fois ta tâche accomplie, tu lui apporteras la paix, comme le dictent nos préceptes. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à mettre un j'aime également. On se retrouve dimanche prochain ou mercredi prochain. Sur ce, geek et bien, c'était Shadow Nightmare. Et à la prochaine vidéo, salut tout le monde.